Salut à tous et bienvenue sur Gameblog pour une nouvelle vidéo d'impression E3 2019. J'ai fait les choses simplement, j'ai amené ma voiture sur scène, ma petite McLaren en Lego, pour vous parler de l'extension de Forza Horizon 4 qui s'appelle Lego Speed Champions, une des annonces qui nous a un peu prise par surprise pendant la conférence Microsoft. Donc j'ai eu la possibilité d'essayer cette petite extension. Et faut dire que c'est vraiment étonnant, parce que moi j'ai joué à pas mal de jeux Lego, et on sait qu'il y a des phases en véhicule dans ces jeux, bah là ça n'a vraiment rien à voir, ça reste un jeu Forza Horizon. Et dans la démo, vous pouviez piloter à la fois cette McLaren et aussi une Mini Cooper. Et on sent tout de suite que même si ce sont des voitures en Lego, bah les deux n'ont strictement rien à voir. Par exemple, la Mini tient beaucoup moins bien la route et c'est beaucoup plus facile de la faire partir en vrille. Alors évidemment, ce sont des environnements mi-réalistes, mi-Lego. Et au fur et à mesure que vous progressez sur le circuit, vous le verrez dans les captures, et bah les environnements changent. Il y a un côté pirate, il y a un côté fantôme, il y a des circuits, on va dire, dans les... au milieu de champs plus traditionnels. Comme dans les autres Forza Horizon, vous pouvez évidemment sortir de la route par moment et détruire des bouts d'environnement qui sont Lego. Par contre, j'ai fait des essais, je me suis un peu éloigné pour voir, et il y a certains endroits où il y a même des décors en Lego mais qui ne peuvent pas être détruits. Donc faites attention quand vous êtes en course, parce que vous ne pourrez pas vraiment tout détruire. Par contre, ouais, l'ambiance c'est super festive, c'est très coloré, et curieusement le crossover Forza Horizon et Lego fonctionne très bien. Je pense que c'est un moyen d'ouvrir un nouveau public à Forza Horizon 4, peut-être un public un peu plus jeune, parce que les férus de sport automobile seront peut-être pas forcément intéressés, mais pour les joueurs de jeux de course un peu plus casual et les enfants, c'est vraiment très chouette. Après, il faut voir ce que le jeu propose, cette extension propose dans son ensemble en termes de contenu, mais en tout cas mon feeling était plutôt chouette. La course à laquelle j'ai pu jouer était plutôt rapide, mais ça suffisait à avoir de bonnes sensations, surtout qu'il y a des boosts et tout, on peut faire des sauts, c'est vraiment vraiment chouette, et on sent bien l'ambiance Lego. Donc voilà, si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, activer les notifications et à vous abonner, parce que ça fait plaisir. Sur les réseaux sociaux, c'est toujours avec le hashtag E3 Gameblog que vous pouvez parler avec nous. Forza Horizon 4 Lego Speed Champions sort sur PC et Xbox One le 13 juin prochain, donc ça va arriver très vite. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.